je vais rentrer dans un nuage. Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus. Bien possédé, oui, voilà, c'est bon. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Cube World. On va essayer de... Il y a beaucoup d'ennemis. Merci, j'ai l'impression de pas faire de dégâts au début. Bouffe. Ah là, bah, qu'est-ce que tu viens faire là, toi? Ah là, couché, sale bête. C'est des épaulettes, ça, non? Ah, des bottes, des babattes, c'est des babattes. Très bien. Bon, on va commencer par une mauvaise nouvelle. J'ai été un gros abruti. Tu permets, je m'explique. Merci. Je m'explique, j'ai dit que j'allais rendre le stuff d'une région à l'autre par mes personnages. Sauf qu'ils sont pas dans la même région quand ils spawnent. Ils spawnent complètement ailleurs. Et en plus de ça, même si je leur donnais, ils sont pas dans la même région. Donc même si je leur donne du stuff plus, ils peuvent pas aller dans la région d'à côté. Plus qu'un gros abruti. Ça c'est un donjon, hein, ça c'est certain à 8000%. Hein. De toute façon, il y a le petit truc. Est-ce qu'on essaierait pas de le faire comme je l'ai dit hier? Si, ça peut nous stuffer et voir la suite. Parce qu'en fait, si ça nous stuffe déjà dès le début, en fait, on aura fait l'artefact, on aura fait, grosso modo, la région. On tente. Vu qu'il n'y a pas besoin des magic items. Normalement. Saleté. On va essayer. Ça vaut le coup. En plus, il a une petite lumière orange. Je sais pas si on peut se téléporter dessus. C'est juste pour indiquer... vous savez qu'on puisse... que ce soit un donjon. Touché. Alors que je zoome pour avoir accès à la carte. On va passer par là, exceptionnellement, pour voir. Ça a l'air d'être la suite, hein. Ok. C'est sympa, ça fait ça l'invocation pour un potentiel mage. C'est stylé, hein, moi je dis pas le contraire, hein. Ah, ils sont déjà bleus. C'est vrai que je suis même pas full stuff, alors bon, venir ici, c'était un petit peu se foutre de la gueule du monde, hein. Quand j'y étais allé, j'avais plus de 4000 PV. Allez, décède, bordel. Merci. Hop. C'est de l'armure de Ranger qui me donne, hein. Walker, elle va pas être contente. Ah, ça m'a... Oh, on est déjà dans la bonne direction, alors. Ça aurait pu être du poison. Ça aurait pu. Ok. 700 PV ils ont là, ça y est. Hein. Tu me fais pas de dégâts toi. Retourne chez toi. On dirait un petit peu comment que ça s'appelle? Des serviteurs de Trigon, on va dire. Ceux qui connaissent un petit peu l'univers du DC. Du DC Comics, du DC Universe. Un dévoreur. Dans la lave. Des minotaures. C'est nouveau, ça. Est-ce que tu peux tomber dans le trou? Non, mais moi, oui. Moi, je... Oh! Oh! Celle-là, je l'ai pas vu venir. Bah, cela dit, celle-là, si. Ah, puis c'est tout noir, hein. Wesh. Où suis-je? Qui suis-je? Dans quelle étagère? Quelqu'un pourrait m'apporter une échelle? Y'a pas moyen de remonter, du coup, si j'ai pas le... Je me suis vanté qu'il n'y avait pas besoin d'avoir le... Alors là, ça se voit pas, mais j'ai la lumière allumée. Hein. Je me suis vanté qu'il n'y avait pas besoin d'avoir le... Dans ta gueule, Marcus! Mais en vrai, je suis complètement con. Hein.
En vrai, je suis complètement con parce qu'en fait, quand je fais le R, le Rocket Fist, ça les pousse pas. Ça les fait voler en l'air et ils retombent. C'est moi qui m'écarte. Je suis débile. Oh, connard, où vous êtes? J'ai une vengeance à prendre sur ma connerie. Faut le dire, hein. Bon, maintenant, il s'agit de pas retomber quand même. Lui, le dévoreur. Ah! Je reconnais ces lieux! C'est ici que j'ai chu! Oh, une grosse porte dorée! Depuis quand ça existe, ça? Ouh! Voilà qui est intriguant! Serait-ce la salle du boss final? Me faut-il affronter tous les autres ennemis du... Tous les autres mini-boss, peut-être? Dis donc, t'es... Ah, c'est des méchants! Ouh. 11K. Ah oui. Bon, ça va, hein. Elle a 13K, pardon. Oh bah elle est mieux que la mienne. Je prends. Merci beaucoup Madame la Tortue. C'est un peu décevant Madame la Tortue, mais merci beaucoup Madame la Tortue. Alors la question c'est de savoir... Cette grille-là ne s'est pas ouverte. Fort bien. Toc toc toc. Est-ce qu'il y a un code? Ah non, il n'y a pas de connard dans le coin. La coffre avec la... Le coffre avec la clé? Ah non. Bon bah, comme on dit, ça, c'est fait. Bah écoutez, vu le temps qu'on a gagné sur cette région, autant à... The fuck. Attends. Pourquoi je... Oh, j'ai fini le lore. J'ai fini le lore, et comme j'ai fini le lore d'une région, j'ai accès à tous les artefacts sur la carte, les artefacts de la région. Ou des régions autour, je sais pas. Wouah, c'est pété, ça sert à quelque chose surtout. What? Regardez, il y en avait un juste là. Oh, juste à côté. Ah bah on y va, hein. Là je suis désolé, on va en enchaîner un deuxième, hein. On n'aura jamais fait autant de donjons en une seule vidéo. Truc de ouf. Oh, je retrouve mon glider, il m'avait manqué. Il m'a manqué. Je peux plus t'utiliser, moi. Les musiques, des fois, elles me rappellent tellement des musiques de Final Fantasy. C'est rigolo. Ah oui, j'ai pas mon équipement d'équipé là. Autrement dit, je suis à chier dans cette région. Ok. Il serait peut-être temps d'y penser, Marcus. Salut les mecs. Vous voulez pas me lâcher deux secondes? Non, vous voulez pas? Très bien. Ah, ça y est, me voilà chez moi, j'ai récupéré mes points de vie. Enfin, chez moi, tu me diras, c'est 50-50. Bah, ça se passe bien cet épisode, j'avais des doutes. Déjà, je commençais avec une mauvaise nouvelle. Il y a du lore juste à côté, donc c'est à ça que ça sert le lore, à débloquer la visibilité de tous les artefacts dans la région ou les régions adjacentes, pardon le micro. Hein, c'est intéressant pour le coup. Allez, donjon numéro 2.
J'étais légèrement à côté. Vous êtes vénères, les mecs, hein. Wow. Oh. Par les météores de merde, hein. Voilà, c'est ce que je voulais faire depuis le début. Je voulais en assommer un comme ça. Ta gueule! T'as qu'à te montrer dès le début, je t'aurais eu en tant que tes potes. De Dieu. SP est mort. Minotaur! Ah bah merde, j'ai... Minotaur, voilà. J'ai changé de hache. J'ai changé de hache, elle a pas le petit trou. Bah ils sont deux. Attention! On attend que la barre recharge. Oui! Une petite soupe de ginseng, ça fait toujours plaisir. Ouais, ça va aussi vite comme ça, hein. C'est une dague. Voilà. Ça aussi, c'est fait, comme on dit. La porte dorée, ça doit être la salle des coffres, je crois, de mémoire. J'aurais peut-être dû aller la voir après avoir affronté le boss. Bon, après... En vrai... En vrai, je me demande... Est-ce que l'autre donjon est bien accompli? Oui. Ah la vache, regardez, dans toutes les régions autour, j'ai des... Oh, génial! C'est vachement bien pensé! Bon, après, j'ai de la chance d'avoir eu du stuff jaune dès le début, quoi. C'est ça qui m'a fait gagner du temps. Via le craft, hein. Précise. Un candélabre. Hé hey. Ça a pas augmenté la lumière autour de moi? Non, j'ai eu l'impression. Du coup, ça m'apporte quoi d'avoir un candélabre avec moi? Avant, on pouvait mettre... Fallait équiper la lumière. C'est même pas qu'on pouvait, c'est qu'il fallait. Alors là, on joue pas au con, Marcus. On ne chute pas. Petit boss. Petit boss. Voilà. Ah, c'était le meilleur combo de ma vie. Me le gâche pas, connard. Tu le fais tomber, puis après... Hulk smash. Blam. Ah, j'ai kiffé celui-là. Celui-là, je l'ai apprécié. En plus, il y a toujours la mana pump hein, dans le niveau, hein, mais bon. C'est marrant, j'ai connu un boss qui te ressemblait. Tu serais pas son petit enfant? Ouais, j'en ai connu un qui te ressemblait, mais il se baignait dans la lave aussi, donc bon, c'est un style. C'est une technique hein, pour affronter ses adversaires, mais là, pour le coup, c'était un peu limite. J'ai eu peur qu'il n'y ait pas d'escalier, que ce soit un trou, vous savez, et du coup, je chute. Ok, ceux-là, ils sont pas faibles. Clairement, ils ne sont pas à prendre à la légère. Il y a un dark occultiste au milieu. Dégagez! Voilà, je préfère ça. Ils sont sympas, ils me donnent de la soupe. En tout cas, je suis efficace, hein, pour le coup. Les combats sont rapides. D'une grande violence! Après, on n'est pas encore arrivé au bon endroit. Il y avait la porte encore à l'entrée qui était... Et qu'un autre se bat dans la région.
j'ai déjà un donut au chocolat sur moi, je peux pas en manger un. S'il vous plaît. Oh, la tortue a survécu, les tortues sont des tanks. Ça me parle. Les pets étaient classifiés avant. Non, c'est sérieux, les pets étaient... On va peut-être voir la porte... Oh. Ouais, bon. Les bêtes étaient classifiées en... Bah, avaient des classes, en fait. Avant. Ça me parle. Salut, Rocker. Smash. Foiré. Quand tu commenceras à me faire des dégâts, tu m'appelles... Koda. Putain, des trucs de ranger et dommage. Y'a que ça, quoi, dans ce jeu. Encore des tortues. Formez les tortues. Ah, la petite surprise quand tout le monde arrive. On va toutes les prendre. Hein. Ils ont pas peur. Hein. C'est moi le lièvre et c'est vous les tortues. Attendez pas à tous ces achevés en un coup, mais écoutez, pourquoi pas. Allez, je m'en doutais, ça sentait le Tarknar cette histoire encore. On va refaire le même coup, hein. Oh bah, tu pouvais pas te coller aux autres. Oh, record, maintenant nous avons accès à Lazen. Tiens, Lazen. Tu te sens lésé. Ok, j'ai pigé, t'es pas là pour rigoler. Moi non plus, je suis là pour looter, ça tombe bien, hein, t'as vu ça? Wouh, des épaulettes cette fois-ci. Merci les Zen. Ouais, je me sens un peu plus... j'ai le visage qui me pique en fait. J'ai des piques littéralement dans la gueule. Bon, la salle suivante. De la lave, non, mon seul point faible. Mon seul... Et plouf. Qu'est-ce que t'es con. Alors là, tu te sens con, hein. Ce qui me sentirait encore plus con, ce serait de me dire que... Je peux pas avancer parce qu'en fait, il fallait que je la bute. Ils m'ont fait mal, ces enfoirés. Minotaur à 30... C'est un mec qui est au-dessus qui se bat, ou... Je regardais si c'était comme dans Dofus. Autrement dit, est-ce que quand tu... On prend une petite soupe. Parfait. Est-ce qu'on l'attire? Que lui. Oui. Hulk Smash! Bon, on commence à l'avoir. Wouh! Peut-être pas avoir assez de potions. Ça m'a one shot. Là, je trouve ça assez moyen. Tu
Tu m'as repop où? Je me suis mis un pet. On va voir si ça fait une différence. Ok. Pas flippant. Où est passé mon pet? Il me fait très très mal, lui. Wouh. En vrai, il m'a fait ultra mal. Mais encore une fois... Qu'est-ce que tu vas foutre là-bas? D'où est-ce que tu viens? C'est moi qui ai besoin de toi, hein. Oh de Dieu. T'étais parti affronter qui? Quoi? Comment? Pourquoi? Non, c'était pas des gants pour moi. Ah, t'étais parti affronter ce truc-là, toi, à tous les coups? Et dis-moi, oh Dieu, un ennemi... Ah non, t'étais tombé dans la lave. Et tu viens de le refaire. Ce qui veut dire que... Il est pas doué, ce pet, hein. Comment t'es remonté? C'est con, ça. T'aurais pu le garder pour le mec d'après, quoi. Surtout qu'il est vénère, le mec d'après, hein, je te jure. Hein. Évitez qu'il te one-shot. Tu pourrais l'attaquer aussi, hein. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu faisais avec tes mains? Je suis curieux de savoir si... Alors là, t'as l'air d'un couillon, mon pote, hein. Si je puis me permettre. Ça, par contre, c'est vilain. Ce que tu m'as fait là, c'est très vilain. Le coup du « je pars ton attaque ». Bon, ça tombe bien, tu sais quoi? Parce que moi, j'avais prévu des choses avant de t'affronter que j'ai complètement oublié de prendre. Voilà. Voilà, deux petites potions. Pourquoi Miss Miss? J'ai oublié que j'ai changé de touche pour certaines... Tu m'auras pas! What? Il m'a eu! Il m'a eu, je confirme! Bon, est-ce que c'est bien ce que je fais? Il a une aura de feu, je m'y risque pas. La question, c'est est-ce que je vais revoir la furie un jour? Allez! T'es con, hein? Il fait des dégâts, le pet, hein, 200 par 200, hein. Ah, ce que je t'ai mis! Bon, c'était pas ultra legit. Faut être honnête, hein. C'est pas ultra legit, mais qu'est-ce qui faisait mal? Puis franchement, ouais, j'ai que ça, quoi, qui va pas. Tout le reste, normalement, ça devrait passer, hein. Et ça m'étonne que mes... Ah bah là, tu la donnes, la furie, hein, sur une pauvre petite tortue, ou... Oula, par contre, ça... J'ai changé la touche, j'aurais tellement pas dû, en vrai. Tu le tires jamais, ce coup-là, je... J'ai l'impression qu'elle le tire jamais... Ah bah voilà. Fin du donjon, oui! Sauf si on retourne à l'entrée. Puisqu'à l'entrée, il y a une grande porte. Waouh, un vase! Et normalement, j'ai plus de radius au niveau de ma lanterne. Je suis passé de 4 à... 4,3! Oh, je suis trop heureux! Ah, la porte n'est pas ouverte. Bon bah, autant pour moi!
Parce que je suis censé en faire alors. Là, je pourrais aller au village pour passer la nuit. Parce que de toute manière, si je veux aller... Voilà, faut que j'aille jusque là. Une grosse arène, cela dit, c'est stylé, hein. Rien à dire. Et ça fait quand même un paquet de kilomètres. Faut l'admettre, hein. Pour le coup, là, ça va m'en faire du kilomètre. Mais à la limite, ce que je pourrais faire, c'est les faire en off. Et une fois qu'ils sont faits en off, je vous retrouve dans le prochain épisode. Je pense que ça serait pas plus mal. On a fait quand même deux donjons dans cet épisode, c'est pas mal. Je pense qu'on va faire le voyage en off. Et je vous retrouve dans le prochain. Pour prochain épisode, pour la suite du dernier artefact de la région. Je pensais pas qu'il pouvait y en avoir plus d'un, mais écoutez, c'est cool. Et c'est génial, ça veut dire qu'en fait, tout a un sens. Même le loot, même le lore, pardon, vous apporte des informations. T'as pas l'air d'être un gentil, toi, tu sais ça. Sur, ben, tout simplement, la suite de votre aventure. De votre progression. Et j'y pensais pendant que je faisais mes multiples allers-retours. mais je pensais à Risk of Rain. Risk of Rain qui est un die and retry, littéralement. Hein. C'est-à-dire que tu fais une partie, tu survis le plus longtemps possible et tu recommences à zéro. Bah là, c'est un peu pareil, sauf qu'au lieu de mourir, tu passes d'une région à l'autre. Je vois pourquoi les gens se plaignent. À chaque fois que tu recommences ta partie de 3-4 heures. C'est ça, hein. Ah non, peut-être pas de 3-4 heures, d'une heure ou deux, quoi. Je vois pas trop la différence, finalement. Donc bon, à voir. À voir, à voir. Bon, moi je vous dis ça dans le prochain épisode, les amis. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta tête? Tu refais tes cheveux? Je sais pas. Dans le prochain épisode, et moi je vous retrouve pour la suite de nos aventures dans Cube World demain. Voilà, salut les gens, et yop!